Bonjour, c'est utilisateur 7h Compta. Je vais vous présenter comment créer une icône invisible sur le bureau. Donc ici il y a l'icône, hein, donc voilà, donc le dossier est vide, je peux mettre des photos, des trucs comme ça là. Donc, je peux y accéder, tac. Je vais vous montrer comment la créer, donc je supprime. Vous faites nouveau, créer dossier. Voilà, donc vous le clic droit, vous faites propriété. Donc on va changer l'icône déjà. Changer l'icône et là vous trouverez une icône comme ça là. Appuyez OK. OK, voilà. Donc ça prend une icône invisible. Hein. Donc après vous renommez. Et vous devez renommer avec des chiffres, mais prenez que les chiffres qui sont du pavé numérique à droite, pas ceux qui sont au-dessus d'AzerTuyop, là où il y a marqué E, arrobase et tout. Donc vous appuyez sur ALT. Vous laissez appuyer sur LT et vous écrivez 0160. Donc c'est normal que ça écrit dans le vide. Parce que c'est un code de Microsoft pour écrire invisible. Juste pour, juste pour écrire invisible. Donc vous écrivez ça. ALT 0160. Et vous appuyez Entrée. Et vous avez votre icône invisible. Donc vous pouvez mettre des vidéos. Voilà, donc on planque là par exemple. Et voilà. Là. Et là, et voilà. Tac. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Abonnez-vous et mettez des pouces verts. Merci.